Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve sur Clash of Clans. Alors attendez, je ramasse l'or, voilà. Voilà, je peux rien te donner. Donc aujourd'hui c'est mon avis sur le village numéro 11. Donc avant de commencer la vidéo, petite précision, parce que je vois, petite précision, donc je vais vous dire ça tout de suite. Donc je remonte la page. Donc voilà, je vois qu'il y a à peu près, je réponds quasiment à tous vos commentaires. Donc il y a 92 commentaires sur mon avis numéro 10. Et comme je réponds, on va dire, à tous vos commentaires, on va dire qu'il y a à peu près 40 commentaires. 40 personnes qui demandent de passer là, enfin que je donne mon avis quoi, qui demandent de passer dans la vie, enfin, dans la prochaine vidéo, mon avis sur le village à chaque fois. Mais à chaque fois, je nous vois, là par exemple, je vois 10 j'aime pour à peu près 40 commentaires, on va dire. Donc 10 j'aime pour 40 commentaires, voilà quoi. C'est bien de dire tu me fais jamais passer, mais si vous mettez un commentaire comme ça, dès que vous arrivez, enfin même pas vous arrivez sur la vidéo, vous mettez un petit commentaire, vous dites allez fais-moi passer. Et en plus je pense que vous écoutez des fois vous écoutez même pas la vidéo. Vu que des fois je donne des petits conseils. Par exemple, des petits conseils enfin comment il faut donner ses infos. Parce que des fois il y en a qui donnent n'importe quoi. Donc voilà. C'est pour vous dire que bah, si vous likez ma vidéo, ça serait mieux. Si vous voulez passer quoi. Par exemple, si je vois 40 commentaires et que je vois 9, 8 likes, voilà, ça me donne pas trop envie de faire mon avis sur village numéro, enfin numéro d'après quoi. Donc, on va tout de suite commencer. Même si pour delay quand même, même si j'ai des likes, mais bon, c'est pas grave, je continue. Mais bon, après, c'est possible que j'arrête cette série si un trop grand nombre de personnes commentent sans même regarder une minute de la vidéo et en disant tu m'as même pas fait passer. Bref, on va commencer tout de suite par Rodolphe Bouillère, son nom YouTube. Donc ça fait 3 fois que tu tentes ta chance, et bien voilà, tu passes. Et de plus, tu n'es pas le seul. Petite précision que je donne, je dis ça pour tout le monde parce qu'il y a beaucoup de monde qui me disent ouais, tu me fais jamais passer tout ça. Mais vous n'êtes pas le seul à passer dans Clash of Clans. Enfin non, dans cette vidéo plutôt. Tu n'y es pas. Tu n'y es pas. Bien joué à toi, voilà. Et voilà, évitez aussi de changer de clan toutes les 5 minutes. Parce que voilà, je perds du temps dans la vidéo. Et après, vous vous étonnez des certains. Là, je donne. Je dis des. Je dis. Comment dire? Enfin. Je dis pas ça pour tout le monde, mais il y a certaines personnes qui disent. Ouais, tu me fais jamais passer tout ça. Sauf que je suis allé voir votre clan et vous n'étiez pas là. Donc après, à un moment, il faut peut-être pas trop changer de clan souvent. Donc tout de suite, alors voilà, le nouveau c'est Pirate Clan. Donc il s'appelle Jack Sparrow. Jack, et tu as environ 31 membres. Oui, c'est ça, vous êtes environ 31. 31, voilà. J'appelle Jack. Donc voilà, évitez de changer de clan tous les 5 minutes. Tu es niveau 61, on commence par toi. Allez, c'est parti. Ça fait déjà, ouais, 3 minutes de vidéo. Voilà, pour vous dire un petit peu tout ça. Car, si vous mettez mieux vos données, ben ça passerait face à la vidéo. Je pourrais passer encore plus de monde que 2 ou 3 personnes à chaque fois, à chaque vidéo. Donc tu es l'HDV niveau 7. Tu fais l'HDV farming, vu que tu as l'HDV à l'extérieur, village hybride. Ça c'est pas mal. Voilà, comme je conseille à chaque vidéo que je fais, essaie de comment je dis ça déjà? Essaie d'interchanger, voilà, je dis comme ça souvent. Interchanger, voilà, t'en as 3 ici, t'en as 3 ici. Moi par exemple, si je veux de l'élixir, eh ben je mets 3 archers ou 3 gobelins, enfin une dizaine de gobelins quoi, et là je te pille facilement. Là c'est pareil, donc voilà, tu mets un extracteur à la place de la mine d'or, tu fais voilà, tu échanges, et comme ça l'adversaire, si tu veux, sera moins tenté pour prendre toutes tes ressources. Ensuite, pour ça c'est pas mal, moi je pense que c'est pour ralentir voilà, l'adversaire qui attaque. Mortier, ça défend bien, voilà, ça défend bien, là aussi, et là aussi. Donc voilà, ça recouvre bien la zone, excusez-moi. Donc voilà, ton village j'ai pas mal, tour de sorcier bien placé, sachant que voilà, t'as un petit espace aussi qu'il faut détruire 2 fois, donc ouais, c'est bien placé. T'as 2 tranchées si tu veux, quoi. Ouais, ton village est pas mal. Il est pas mal, il est pas mal. Ce que je te conseillerais, non, il est pas mal du tout. Voilà, ouais, il est pas mal. Ouais, il est pas mal. Donc voilà, après je pense que tu veux garder l'or vu que t'as mis l'or ici, l'élixir noir ici. Donc voilà, si tu veux garder l'or et l'élixir noir, ben voilà, tu le laisses comme ça, c'est parfait. Donc on va passer tout de suite au village suivant. Donc, allez.
Simon Gabriel. Simon Gabriel, clé de notre clan WOD. WOD. Moi j'appelle ça WOD, mais en fait, ouais, WOT si vous voulez. Donc, Simon Gabriel, tu n'as pas fait un corps d'attaque, je crois, il me semble. Je t'ai passé, ouais, je t'ai passé. Je t'ai passé, Simon Gabriel. Ah là, tu es là. Tu es niveau 53, tu n'as pas encore fait d'attaque aujourd'hui, bien, c'est normal. Parce que on est lundi, et lundi, à chaque fin, toutes les 2 semaines, quoi, ça se remet. Les saisons se remettent au début. Enfin, les nouvelles saisons recommencent, quoi, bref. L'HDV numéro 7. Ah, je vois pas grand chose, voilà, évitez que vos villages soient détruits. Essayez de vous connecter assez souvent. Morsi est bien placé. Mais tu pourrais changer la place de réservoir, je pense. Ça, ouais. Mets-le plutôt au milieu. Enfin, la place de. Je sais pas, mets-le plutôt au milieu. Parce que là, tu vas. Si on te fait un full dragon, là, tu risques de perdre. Après. Ouais, non, rien, ouais, rien. J'ai rien dit. Mine d'or, ouais, parfait, parfait, ça. Tout le temps, c'est canon. Ça, c'est quoi, une commande d'ouvrier? Ok. Défense antérieure, voilà, pareil, tu essaies de les mettre au milieu parce que je suis sûr le monsieur, enfin voilà, ouais, monsieur. L'adversaire qui t'a attaqué, t'as sûrement fait un soit géant, je pense. T'as fait géant et ensuite t'as mis des dragons, je pense. Donc voilà. Essaie de mettre des défenses antérieures plus voilà, par exemple ici, la place de la tour de sorcier. Essaie de plus les. Pas les cacher. Ouais, pas les cacher, non, mais de plus les défendre. Donc voilà, passe tout. Voilà, tout de suite, je vais dire. Un petit peu, désolé. On va passer tout de suite. Oh! Donc voilà, après, j'ai pas grand chose à dire. J'ai pas mal ton village. Mon stylet sont bien placés, tout ça. Donc voilà, juste les défenses anti-aériennes. Donc on va passer tout de suite au village suivant. À Benji. Trop, trop cool. Tu peux montrer mon village, s'il te plaît. Pseudo Benji. Pacifique. Pacifique. Avec un S. Pacifique clan. Donc le premier, voilà. C'est des clans assez originaux. Enfin, assez original. Ce clan est assez original parce que je l'ai trouvé. Enfin, j'ai trouvé facilement quoi. Donc, tu es. Logo bleu, ouais, c'est ça. Logo bleu, ouais. On est environ 46, 47, voilà, 46, 47. Je suis or et tu es niveau. Tu es or 3 et tu es niveau 51. Ok, merci de l'info, ça c'est très bien. Très, très bien. Très, très bien. Bah, décrit quoi. Décrit. Benji, tu t'appelles Benji. Benji. Ah, t'as peut-être descendu en trophée. Quoique, non, peut-être monté. Benji. Ah, je te trouve pas. Benji of Clan, ouais. T'es niveau 50. Ouais, non. Je crois que c'est pas toi. Benji. 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 Tu n'y es pas. Tu n'y es pas. Pacifique. Ah, tu n'y es pas. Bon, voilà. Évitez, voilà, de partir. De changer de clan trop, trop souvent. Allez, on va passer au suivant. Guerre et farm. Guerre. Non, mais c'est pas ce signe. C'est ce signe-là. Farm. Ok, je n'étais pas trouvé. Attendez, je vais rester un truc. 12 minutes, 2 minutes. Ouais, je t'ai pas trouvé, désolé. Guerre. Attendez, on va réessayer. On sait jamais. Guerre et farm. Avec un A majuscule. Avec un F majuscule, excusez-moi. Ouais, je te trouve pas. Ton clan n'existe plus. Tu as peut-être quitté ton clan, tu as mal écrit. Je ne sais pas. Bref, on passe au suivant. On va passer au suivant, passer à Anthony Noclen. Tu espères passer dans mon prochain épisode, mais voilà, si tu n'as pas changé de clan, tu vas passer. Donc ton clan s'appelle Hap. Because Hap. Hap, ok. Ah ouais, mais là, désolé, parce qu'il y a trop de Hap. Hein. Il y a trop de Hap. Il y a trop de Hap. Hein. Qu'est-ce que je fasse? Je vais dans celui-là. Tu t'appelles Poétique 59. Ah, tu es, voilà, je trouve. Ben voilà, tu es chef adjoint de ce clan. Magnifique, enfin, magnifique clan. Magnifique, bon clan. Tu es niveau 30, tu disais niveau 30 il y a 5 jours. Tu es niveau 33 déjà, donc c'est pas mal. Tu as 900 trophées, 902, voilà. Donc, village HDV numéro 5. Je sais pas trop ce que tu. Village farming, quoi. Tu fais village farming. Comme j'ai dit, voilà, au prochain. Au prochain. À l'autre personne, interchange tes extracteurs et l'or. Parce que, bah, tout simplement, parce que sinon, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, mais l'adversaire soit moins tenté, comme ça, et tu prendras moins cher au niveau des ressources. Après, le rempart pas trop utile, je trouve, ici. Mais après, voilà, bof. Après, si le château de clan est plein, ouais, il est pas mal ici non plus, mais bon, ouais. Défense antiaérienne, je te conseillerais plutôt de mettre à la place de cette tour d'archer.
ou de ici, parce que si on te détruit par exemple la tour intérieure, il suffit que à ton niveau HDV5, quoi, les adversaires auront l'HDV5 aussi, il suffit que quelqu'un prenne des ballons, et hop là, et ben tu ils détruisent ta défense antiaérienne et tu ne resteras plus rien comme défense antiaérienne, donc tu perdras la bataille en quelque sorte. Donc voilà, juste ça. Après, essaie de mettre ces remparts, essaie de les mettre autre part, je pense qu'ils seront bien, bien autre part que ici. Donc voilà, sinon ouais, ça va. T'as un mortier qui recouvre bien la zone, enfin que ouais, la zone du château, enfin la zone du village. Excusez-moi, excusez-moi. Donc voilà, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Après voilà, la tour d'archer, voilà, mais là plutôt à la place d'un canon. Parce que les deux tours d'archer à côté, c'est pas très top. C'est pas top du tout. Parce que ouais, il vaut mieux mettre canon archer que archer-archer. Donc voilà, si tu vois un peu ce que je veux dire. Donc on va passer tout de suite à l'avant-dernier, je pense. Ouais, au dernier. On va passer au dernier, à moins que celui-là soit assez simple à donner mon avis, quoi. Ça ne veut rien dire, mais bon. Ce n'est pas grave. Donc on va passer au suivant. Donc voilà, Monster FR qui me dit, je suis en train de regarder, je kiffe cette série. Pseudo Constante. Alors ouais, tu es dans le clan WoD Junior, donc ouais, je t'ai vu en plus. Donc là, je vais te faire passer parce que tu es dans le clan WoD Junior. Donc voilà, si vous êtes dans le clan WoD Junior, eh bien, j'ai plus tendance à vous faire passer parce que c'est mon deuxième clan et qu'il n'y a personne dedans. Constante. Tu es niveau 51, donc voilà, Big Zouille. Tu as HDV. Ouais, voilà, tu as encore détruit. Tu as HDV. Ah, tu l'as HDV ici. HDV numéro 7. Donc voilà, ce sera le dernier village. Excusez-moi. Enfin, excusez-moi. Pour ceux qui ne sont pas passés, remettez dans le. Enfin, je vais faire passer un dernier. HDV 7, château clan bien placé. Ça recouvre à peu près tout le village. Donc voilà, c'est pas mal. Réservoir d'élixir, essayez d'augmenter parce que HDV niveau 7, quand même, c'est pas top top. Archer, voilà, archer, c'est pas mal. T'en as, ouais, t'as pas mal d'archer. Tu fais un Heur Rush, je crois, non? Je sais pas. C'est assez bizarre ce que tu fais. Parce que. Avoir des archers avec l'hôtel de ville en dehors, c'est pas commun. Mortier bien placé, défense intérieure bien placée, mortier aussi, mortier, je te recommande plus de mettre à la place de la tour de sorcier. Voilà, ne mettez pas trop vos même défense à côté, mettez essayez de par exemple de mettre deux tours de sorcier à côté, mettez plutôt sorcier, mortier, archer que de mettre tout à côté. Voilà, sinon ouais, il est pas mal. C'est pas mal ça non plus, c'est d'écarter un petit peu pour, voilà, pour que ça soit plus difficile à atteindre. Ce que je veux dire en fait, c'est d'écarter, voilà, un petit peu, d'écarter tout ça. Voilà, de mettre par exemple l'extracteur ici et de décaler un petit peu. Pourquoi tu vas me dire, comme ça ils auront plus de mal, enfin, ça sera plus difficile et ça sera, ouais. C'est plus difficile pour l'adversaire si tu veux d'attaquer comme ça. Donc voilà, sinon il est pas mal ton village, il est pas mal, voilà. Ouais, après voilà, défense anti-aérienne, voilà, mortier, mais plutôt la place de la tour de sorcier niveau 3 qui est ici. Sinon c'est un beau village, on va faire passer la dernière personne. Donc qui est dans le clan Baptim. Donc si je trouve pas, ben, ce sera la fin de cet épisode. Baptim. Donc ouais. Chef adjoint. Tu t'appelles Tsetse, ouais, je te trouve pas. Pour... Ah ouais, Tsetse, niveau 55. Tsetse, niveau 55. Tu l'as. Ouais, je devine en fait. Voilà, un village original. Je pense que t'as des bombes ici. Donc voilà, village pas mal. Tu fais. Je sais pas ce que tu fais comme troupe. Tu fais un sorcier, ça passe à peur, non, un sorcier. Ça s'appelle comment ce troupe déjà? Je sais plus. Sorcier, bon, je sais plus, bref. Ton sorcier bien placé, ça couvre bien la zone. Mortier augmente le niveau 3 au moins. Sinon il recouvre bien la zone aussi. Mortier bien placé aussi. Celui-là aussi il est bien placé. Ensuite, tour d'archer, ça va, c'est pas mal. Ouais, je pense que ton village doit bien marcher. Il est pas mal du tout. Voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, à la place de tour d'archer. Enfin, à la place de tour d'archer, non. Mais ouais, essaie de mettre à la place de cette tour. Un canon, parce que là tu vois il y a trois canons, au lieu d'avoir les trois canons mais plutôt une tour d'archer pour que ce soit un petit peu équilibré comme j'ai dit tout à l'heure, pas trois tours d'archer mais une tour d'archer, un canon et une tour d'archer, ou un canon, une tour d'archer, un canon si tu veux, pour pas que ce soit tout le temps la même défense, parce que si, imagine t'as des tours d'archer, donc en gros on va détruire les tours d'archer et ensuite l'adversaire pourra envoyer des dragons ou des ballons
Et là, tu vas me perdre facilement, plus facilement. Donc voilà, ton village est pas mal du tout. Donc voilà, c'est la fin de cet épisode numéro 11 sur mon avis sur le village. Donc voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo sur mon avis sur le village numéro 12. En espérant que vous allez, sans, je vous oblige pas, mais j'espère que vous allez liker cette vidéo pour que ça soit plus je vois de likes, plus je suis motivé pour faire le prochain avis sur le village dans Clash of Clans. Donc voilà. Ah, je vais faire un. C'est notre rempart. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve sûrement très bientôt pour une nouvelle vidéo à 18h comme d'habitude. Donc voilà, je fais tout le temps des vidéos à 18h. Allez, à plus.